Je m'efforcerai, bien évidemment, de toute mon énergie à lutter contre l'affairisme lié à la délinquance organisée. La nouvelle procureure n'est là que depuis quelques semaines. Après 20 ans de parquet entre Montbéliard et le Nord-Est, elle a rapidement pris le pouls de sa nouvelle juridiction. Je tenterai bien évidemment de maintenir également sans faille l'engagement sans faille de mon prédécesseur dans cette lutte contre la criminalité organisée. Et je maintiendrai bien évidemment ce rôle proactif du comité des fraudes pour permettre d'agir de façon extrêmement efficace. Une circulaire pénale exclusive à la Corse après le meurtre d'un bâtonnier et d'un président de chambre de commerce en 2012 et une violence qui s'enracine. En 2019, sur 10 homicides, 6 sont liés au banditisme. Autre fléau, le trafic de stupéfiants en hausse et la circulation routière avec 27 accidents mortels sur les routes en 2019. Les directives qui avaient été fixées dans la circulaire territoriale pour la Corse restaient parfaitement d'actualité, qui était la lutte contre la criminalité organisée et l'affairisme lié à cette criminalité organisée. Mais j'ai souhaité aussi surtout rajouter des axes qui correspondent en fait à la vie quotidienne, telles que les violences intrafamiliales ou les violences sur les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées. Julie, Savannah, les violences faites aux femmes sont elles aussi en constante augmentation.